Pascal Normand, c'est un artiste qui travaille beaucoup, en fait, à partir de la photographie. Il y a une relecture quand même intéressante. Il ne se gêne pas non plus pour utiliser, entre autres, les nouvelles technologies. Alors, les photographies que vous faites, c'est beaucoup la ville, c'est beaucoup de l'architecture. On est loin du portrait, là, on se comprend. Oui, exactement. Ouais. Ben, j'aime bien dire que vous pensez que ce sont des portraits urbains. Oui, oui. Donc, l'idée, c'est un peu de capturer ces paysages aussi urbains qui appartiennent à la mémoire collective. Ce sont tous des endroits qu'on croise à tous les jours. Ben, ici, là, on parle entre autres de Montréal. J'ai fait quelques shootings photos à Québec aussi. Mais donc, ce sont des endroits qui appartiennent à la mémoire collective, de sorte que tout le monde voit ça passer sous les yeux à tous les jours, sans nécessairement prendre le temps de vraiment regarder. Donc, moi, j'aime bien l'idée d'immortaliser ces parties-là de la ville qui font partie, disons, du patrimoine urbain, et puis de leur donner ma touche créative en les retransformant par des manipulations numériques, par ordinateur, entre autres. Qu'est-ce que vous captez, là? Je vois des murs de briques, je vois des immeubles, des usines. Il y a quand même aussi des gens, des fois, il y a des gens qui sont inclus dans les photographies. Et là, je me pose la question parce que je sais que vous travaillez entre autres avec les nouvelles technologies. Je ne sais pas si vous rajoutez des choses, si vous enlevez des trucs ou quoi. J'ai deux façons d'ajouter des personnages à mes créations, de sorte que ça crée une histoire plus évidente dans le tableau. Dans un premier temps, je me sers de moi-même pour faire des autoportraits, disons. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que faites comme Hitchcock, vous incluez quelque part. Oui, c'est mais bon. C'est moins subtil que Hitchcock, de sorte qu'une photo c'est plus évident si je me retrouve dedans. Ouais. Et puis, c'est un peu aussi par défaut, parce que la nuit, traîner, pas de manière péjorative, mais traîner des gens, c'est un peu plus lourd, puis ça amène à un autre état d'esprit pour la création. Donc, j'aime bien, quand moi j'ai envie de mettre un personnage dans la photo, me servir de moi-même. Dans un second temps, c'est des personnages que j'ajoute en silhouette qui, eux, sont ajoutés par la suite, donc au niveau de la manipulation numérique. J'ai, entre autres, une série de créations où on voit un peu cette série de personnages-là qui sont, disons, inspirés de mon parcours de réalisateur en cinéma et en télévision. Il y a, bien sûr, il y a la ville, mais il y a quelque chose aussi du pop art un tout petit peu au niveau des couleurs. Les gens à la maison peuvent penser à Andy Warhol là, qui parfois faisait des séries en différentes couleurs et tout ça. C'est un peu dans votre univers quand même. Oui, c'est vraiment deux sources d'inspiration assez fortes dans ma démarche, c'est-à-dire d'une part l'urbanité, puis sinon le pop art. Donc je me lance parfois dans des créations qui touchent plus le pop art, et parfois dans certaines images, je joins les deux, comme la série où on peut voir des usines ou des cheminées, entre autres, desquelles sortent des objets, entre autres des cœurs, qui sont en répétition et en couleurs très pop, très vives. Donc c'est un peu la rencontre de ces deux courants-là.